Morgan, c'est parti pour le 12 info du mercredi 7 décembre 2011. Oula, t'as l'air content de toi, machin. Qu'est-ce qui t'arrive encore? Bah, tu sais, mon chien, il arrête pas de s'enfuir tout le temps. Oui, oui. Et bah, j'ai mis une barrière, elle est infranchissable. Et voilà le chien! Tu fais moins le malin maintenant, hein? C'est qui ton maître? C'est qui ton maître? Tout de suite, les Drakking Booze. Voici le plus jeune rappeur du monde, il a 2 ans. Il a déjà fait de la garderie, il s'est pris plusieurs balles en plastique, il est connu pour du trafic de sucettes. 2 ans, sérieux, faites un truc là. Et pendant ce temps-là, au Japon, on fait du toboggan. Un toboggan de plusieurs centaines de mètres. En France, on appelle ça une piste de bobsleigh, hein, c'est... Mais pourquoi pas? Au Canada, ils font des trucs un petit peu bizarres, mais parfois ce sont de très bonnes idées, comme le lancer annuel de peluches après un match de hockey pour récolter les peluches et les offrir aux enfants hospitalisés. C'est pour la bonne cause et ça défoule un petit peu. Et pour finir, une petite acrobatie super impressionnante, c'est cadeau. On va commencer les news avec un proverbe américain, ne t'en prends pas, un expert en arts martiaux. Voilà, c'est ce qui est arrivé à Anthony Miranda, 24 ans. Qui a tenté de racketter un homme dans les rues de Chicago, sauf que ce dernier participe à des compétitions d'Ultimate Fighting, comme le prouve cette photo finalement. Le pire, c'est que notre voleur a même réussi à se tirer une balle dans la cheville sans faire exprès. Le mec, il n'y a pas beaucoup de chance dans la vie en gros. J'ai hâte de voir le jugement, n'empêche. Hein. Est-ce que la victime est dans la salle? Oui, c'est moi. Ah non! Calme-toi, je lève juste la main. Ah non, je vais pas mourir. Mais je vais pas te frapper, on est au procès. Pas touché, pas touché. Tu vas te calmer, la dernière fois tu t'es tiré dans le pied, maintenant t'as plus rien pour te faire mal, hein, donc on se calme, d'accord? Oh mon dieu! Oh mon dieu, on m'agresse! Oh non, 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 pas agressé! Non, non, non! Ah, non! Ah, ah! Je suis en train de mourir! Il me tue! Non, pas le... Aïe! Aïe! Ouïe! On enchaîne avec la news bien insolite du jour, vous connaissez le daggering? Alors, c'est une danse très sexuelle, on va dire. Voilà, je pense que les images parlent d'elles-mêmes, et le problème du daggering, c'est que d'après les statistiques, ça entraînerait trop de fractures de pénis, voilà, spécialement en Jamaïque. Bon, pour vous expliquer, je vais demander mon assistante Tatiana. Alors, Tatiana n'a pas pu venir, donc c'est moi qui la remplace, voilà. D'accord, non mais tant pis. Non, mais c'était écrit, faut le faire quand même. Non, hein, il faut comprendre, les gens s'imaginent très bien. Allez, on y va, ça va pas durer longtemps. Alors, première position, je crois que c'est comme ça. Ensuite, on peut faire des reverse. Je peux pas. On se fout comme ça. Je ne peux pas, c'est pas possible. Si, voilà. Et pour finir, l'info américaine du jour, ça se passe en Caroline du Nord, où Emmanuel, un jeune garçon de 9 ans, s'est fait renvoyer de son école pour harcèlement sexuel. En effet, l'enfant avait dit à sa maîtresse qu'elle était mignonne. Voilà. Il dit à sa maîtresse qu'elle est mignonne, il est renvoyé 2 jours. Il a 9 ans. Ça c'est de l'info américaine, comme je l'aime. Hein. Non mais sérieux, les profs américains, faut se calmer un peu. Ce sont des enfants. Vous avez 15 minutes. Monsieur? Oui, Enzo? Vous êtes beau? Non, tais-toi, non, pas d'avance, pas à ton âge, interdit. Non, pas du tout. Non, mais vraiment, vous êtes beau? Non, harcèlement sexuel, attention, un enfant, tu vas être renvoyé. Vous êtes beaucoup trop devant le calcul, monsieur. De 15 minutes. Un peu charmant, quand même. Le 2 info est terminé pour aujourd'hui, vous pouvez vous rasseoir. C'est bon. C'est drôle parce que je l'aimais pas. À demain.